Bonjour à tous, c'est Bi61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Age of Mythology pour l'épisode 3. Donc là on va se retrouver du coup en Grèce, toujours en compagnie d'Arcanthus, puisque ça reste le héros principal de l'histoire, donc techniquement on devrait l'avoir à chaque scénario. Peut-être qu'il y en a quelques-uns où il sera absent, ou qui arrivera en cours de scénario, possible, hein, c'est pour ça que j'ai ça, je m'en rappelle pas exactement. Mais voilà, on le verra tout le temps. Et donc là du coup apparemment on va arriver à 3. Et qui dit Troie dit forcément la bataille de Troie, que vous connaissez tous sûrement. Donc c'est parti, on va voir ce qu'elle nous réserve. Arcanthos, par les dieux! Je ne pensais pas qu'Atlantide enverrait son meilleur amiral se battre pour moi. C'est gentil, roi Agamemnon. Vous ici, Ajax, je suis surpris de vous voir toujours aussi d'attaque. Remerciez-en ces Troyens, mon ami. Ravi de vous revoir. Qui avez-vous contrarié pour vous retrouver si loin de chez vous? Il fallait bien que quelqu'un vienne vous aider à mettre fin à ceci. Hélène est derrière ces murs, et nous n'avons pas encore réussi à entrer. Cela ne va pas durer. Vous êtes arrivé à temps pour notre dernier assaut, Arcanthos. Débarquez vos hommes. Vous pouvez dresser votre camp à l'est, mais attention, les Troyens ont des éclaireurs dans le coin. Ensuite, nous commencerons à préparer notre assaut. Donc voilà, voici notre armée à quoi elle ressemble. Hop. Donc on peut utiliser Ajax, le fameux, qui va récurer nos chiottes, lol. Et du coup, voilà, on a des hoplites lourds. Donc nous, les hoplites qu'on avait dans l'épisode précédent, c'était des hoplites moyens, je crois, ou peut-être légers. Je sais pas c'est quoi le terme. Bref, on va tous leur dire d'aller là-bas. Donc là, cette fameuse colonie. Et on peut voir du coup à quoi ressemble, vite fait, le bord de Troie. Donc ça va se faire en plusieurs missions, je crois, en fait. Parce que vous connaissez de toute façon l'histoire, j'imagine, avec le fameux cheval de Troie. Donc vous le verrez par vous-même comment c'est fait dans le jeu. Et de mémoire, c'était assez sympa comme scénario. De toute façon, je garde de très bons souvenirs au niveau de l'histoire. Voilà, donc ça y est, on a nos petits paysans. On va construire le forum. Voilà. Et on va commencer à produire. C'est parti. On va peut-être créer aussi un petit temple. Des maisons, il y en a quelques-unes, mais je pense que je vais en faire plus pour être définitivement tranquille, j'ai envie de dire. Ah, apparemment, qu'est-ce qu'ils me disent? Ah, je m'étais trompé de raccourci clavis pour ça. Je me suis dit, pourquoi ils me parlent de forum qui nécessite 100 pièces d'or? Je fais des pioles, quoi, mais... je m'étais trompé de raccourci clavis. Alors par contre, ça permet d'être un peu plus rapide au niveau des raccourcis clavier par rapport à Age of Empires 1 et 2. C'est que si vous vous rappelez, dans Age of Empires 1 et 2, il y avait deux modes de construction. Il y avait les constructions, on va dire, « civiles », entre guillemets, et les constructions militaires. Et là, en fait, tout est sur le même slot. Donc du coup, ça permet, en une touche de clavier, ces navires viennent des ports troyens. De tomber sur le bon truc. Par contre, je m'attendais pas à faire la clavier. Nous devons les détruire. Ah ouais, d'accord, ok. Ça va être notre première mission finalement. Donc il va falloir que je construise un peu. Ok, ça marche. C'est ce qu'on va faire. Hop. Puis on va faire une armée de bateaux, donc il faudra sûrement beaucoup de bois. Donc, je vais faire pas mal de villageois. Allez, c'est parti. Donc, hop, toi tu vas aller là-bas. Donc le temple pour l'instant, bon, tout ce qui est Pégase, Pégase c'est un peu pourri, hein, on va pas se mentir, ça permet de faire de l'éclairage, mais c'est pas une unité qui attaque en fait, donc... déjà que les cavaleries légères, c'est pas ouf, et là c'est pire, en fait. Ça sert vraiment limite à rien je trouve en tout cas. Hop, on va faire un petit camp de bûcheron. Je continue à créer des unités à fond. Donc du coup, vous voyez qu'on a une petite unité mythique hippocampe, voilà. Donc une unité spécialement aquatique.
Alors quand on a des unités aquatiques et qu'on n'a pas forcément construit de port à l'avance, bah on peut pas s'en servir en fait, elles ont pas spawn tant qu'on n'a pas construit de port en fait. Donc voilà. Là je vais faire aussi quelques navires de pêche puisqu'il y a quelques spots de pêche juste à côté, mais il faudra aussi que je fasse des unités militaires. Je vais peut-être passer à l'âge suivant bientôt, j'ai peut-être arrêté de faire des mecs en fait. Parce que faut que je passe à l'âge rapidement. Du coup là je vais prendre toujours Arès pour l'instant. Puis après on verra si je change au fur et à mesure de notre avancée durant le wave. Donc hop, toi tu vas aller pêcher. Et puis voilà, on attend l'âge suivant pour améliorer tout ça du coup. Voilà, donc ça y est, on est passé à l'âge suivant. Donc on va pouvoir peut-être faire des... Ouais, alors, attendez. Filet cerne, on pêche davantage de poissons. Ouais, bon, vu que je suis à côté, c'est pas forcément utile. Donc je vais faire des trirèmes. Alors ça coûte assez cher, mais bon, de toute façon, il va m'en falloir, j'ai pas trop le choix. Hop, je vais les faire pop ici. Léger. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais créer d'autres villageois, puisque là, il faut que je crée maintenant l'académie, pour faire d'autres infanteries. Donc on voit les différentes bases, alors du coup on va regarder les objectifs vite fait. Détruisez les deux ports troyens, d'accord. Donc voilà, qui sont des deux côtés. Alors je sais pas s'il faudra forcément détruire les villes avec. Dans le sens où, est-ce que si tu pètes le port, ils en reconstruisent un derrière. Ça c'est la grande surprise, on verra ça au fur et à mesure. Donc du coup j'ai fait pop des petits villageois, alors on va faire pop la petite caserne militaire, on va la mettre ici parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà, je vais créer d'autres villageois et je vais utiliser du coup l'embuscade pour attirer les animaux ici. Le fameux pouvoir des yeux, parce que là il y en a pas mal autour, mais s'ils pouvaient venir à côté ce serait beaucoup plus simple. Et vu que là je vais avoir besoin de beaucoup de nourriture, ça serait plus pratique pour moi en tout cas. Etemos. Donc mon armée je vais la laisser là en périphérie, histoire d'être prêt à attaquer au cas où. Et du coup alors qu'est-ce qu'il y a comme amélioration? Le problème c'est que ça coûte beaucoup de nourriture à chaque fois et c'est pas trop ce que j'ai malheureusement. On va faire d'autres bateaux en attendant. Hop, voilà. Je pense qu'avec tous ces bateaux là, j'en pourrais peut-être au moins dégommer un peu. Enfin, en tout cas, j'espère. Si on peut pas, ça sera un peu triste, mais ça se trouve, ça va être insuffisant. On va vite le savoir. Je vais essayer avec mon hippocampe au pire en même temps. Ça compensera peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sinon? Ah, pour l'instant, je peux pas faire grand-chose. Je vais faire d'autres navires de pêche pour compenser un petit peu. Voilà, le premier c'est bon. On va en faire un ici. Ah merde, c'est vrai, c'est... Putain, j'avais oublié qu'il y avait des trirèmes encore en cours. C'est pour ça que je me suis dit, il y a un souci, j'ai pas compris. Prostagma. Alors, qu'est-ce qui se passe? On m'attaque. Alors, je sonne l'alarme pour sauver mes villageois. Et je vais m'occuper de... Salopard, putain, ils le veulent, ce villageois. Ouais. Ils l'ont eu ou quoi, je crois. Alors Ajax, c'est pareil, quand il donne des coups dans la gueule des ennemis, il les fait voler aussi. Il fait pas dans le détail, ce mec-là, c'est un peu un gros bourrin. Donc tant mieux. Au moins, il est efficace. Donc voilà, ça y est, pour les navires de pêche. Alors c'est parti, on va tenter avec les trirèmes, du coup, d'attaquer au nord. Voir si c'est faisable ou quoi. Alors ça, apparemment, du coup, c'est un ennemi. C'est un Juggernaut, il a 7 d'attaque, moi j'en ai 6. Il a plus de vie que moi, mais bon, j'ai pas mal de bateaux donc. Ouais, je pense que je vais avoir le dessus. Hop. Bon, on laisse faire le taf, hein. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire, à part admirer la bataille. Donc voilà, au niveau des ressources, ça monte tranquillement. J'ai peut-être continué à faire un petit peu
De bonhomme. Ah bah voilà, ça y est, il y a plein d'ennemis là, c'est cool. Enfin, d'ennemis de... d'animaux. Laïe, malista. C'est parfait. Thireftis. Il y a plus qu'à ramasser, du coup. Etimi, thireftis. Alors voilà, du coup, les bateaux, c'est réglé. Il y en aura sûrement d'autres, voilà, forcément. Surtout le chemin, on va en avoir. Ils sont cachés dans le brouillard de guerre. Ils sont plus résistants que moi, hein, mais de toute façon, vu que j'ai plus de nombre, ça va. Et si là, ça va diminuer petit à petit à force hein, de faire des unités. Je vais en créer d'autres en attendant. Comme ça, je pourrais faire quelques renforts si nécessaire. Donc on continue. Donc là, ça va, on a le champ libre, c'est cool. Il y en aura peut-être ici par contre. Bon, il y a des navires de pêche déjà. Bon, je vais me concentrer sur les ports déjà, on verra. Alors la vie baisse assez lentement quand même, mine de rien. Avec ce genre de bateau, mais bon, ça fait le taf. Ils ont pas l'air de trop se défendre, donc on en profite. Donc voilà, eux, c'est pareil, ils vont s'occuper des bestioles. Et je pense que voilà, je vais pouvoir... Alors je vais peut-être faire les améliorations quand même, du coup, quand même. Donc là, je fais des hôpitaux lourds directement. Bah ça, c'est cool. Parce que normalement, j'aurais dû avoir des améliorations à faire. Mais là, si on peut directement partir dans de l'hôpitaux lourd, c'est cool. Ça coûte moins cher, du coup. Dans le sens où j'ai pas besoin de faire les améliorations. Donc, par contre, on voit que y a certaines unités dans le jeu. C'était pas forcément le cas de mémoire dans les jeux vampires, il n'y avait pas ça. Vraiment, une unité, c'était une unité, n'importe laquelle. Sauf que dans ce jeu-là, il y a des unités qui prennent plusieurs points de population, en fait. Là, en l'occurrence, les hôpitaux lourds, ça prend deux de population. Alors que c'est une seule unité qui spawn, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour les cyclopes, ça prend 4 de population. Là, ça commence à devenir assez... Enfin, c'est un autre stade, quoi. Bon travail. Les bassins troyens sont détruits. L'armée d'Agamemnon peut débarquer. Ah bah, c'est parfait. Ah bah voilà, comme ça, du coup, en plus, j'ai des renforts. Nickel. Bah du coup, on va pouvoir s'occuper d'eux. Je vais pouvoir les attaquer. Je vais ramener mes bateaux de l'autre côté, comme ça, pour attaquer l'autre port. Et avec l'armée, je vais essayer d'attaquer, du coup... leur ville. Alors c'est pareil au niveau des murailles, donc vous voyez hein, comment elles sont là. C'est plus par système de blocs aussi, hein, puisque comme je disais, le jeu est en 3D, donc ça a un petit peu évolué. C'est carrément, on peut le tracer en fait. C'est assez particulier, je sais pas trop comment vous l'expliquer. Je pense que le meilleur moyen de vous faire comprendre, ça serait une démonstration, donc on aura l'occasion de faire des murailles. Mais voilà quoi, c'est un truc relativement simple à faire, c'est plus rapide du coup de les construire. Parce qu'avant c'était un petit peu une galère quand même, c'était assez long. Dès que tu veux commencer à faire des angles, etc., bah tu prends plus de temps à les construire. Par contre du coup, avec ce système là, on peut plus s'amuser comme on faisait avant, c'est-à-dire à faire, vous savez, à la limite de la mer, entre le sol et la mer, pour que les unités ennemies, par exemple, ne ramène pas des bateaux de transport. Là, dans celui-là, c'est un peu plus compliqué vu qu'il n'y a plus de système de cases. On peut essayer de groger au maximum au bord de la mer, mais c'est un peu le bordel, quoi. C'est pas aussi simple. Donc voilà, là, c'est relativement simple. Tout le monde se laisse dégommer. Hein, et ils ne pouvaient pas de toute façon faire le poids. Alors, par contre, ça, c'est des ennemis. Ok. Donc, ils en profitent pour péter les tanks. Et apparemment, j'avais oublié 2 unités ici. Donc, on va terminer ça. Là, tous les bateaux sont prêts. Donc, on va avancer. Alors, je vais peut-être pas rusher directement parce que j'imagine que il va y avoir des bateaux sur le chemin. Alors, le forum, c'est bientôt. Allez, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont. D'accord. Prostagma. Hop. Alors c'est une colonie mais elle est pas habitée en fait. Mais il y a quand même des ennemis autour. Bizarrement. Alors celui-là on peut pas l'atteindre, il est trop haut. Les trirèmes n'ont pas assez de portée, pourtant ils en ont 12 ans.
Mais je sais pas si c'est beaucoup en fait. Parce que c'est vrai que dans un Age of Empires, 12 de portée, ça serait déjà beaucoup. Mais dans un Age of Mythology, je sais pas si c'est du même niveau. Donc là, ça va, il y a personne, je vais pouvoir m'attaquer tranquillement au corps. Par contre, mes villageois, ça fait moyen. Pas fait attention. Je savais qu'ils allaient venir au bout d'un moment, mais j'étais concentré sur mes petits trucs. Hein. Prostagma. Esto. Prostagma. Vous l'emmenez. Voilà, donc là, on va ramener toute l'armée. Et on va s'attaquer, du coup, de l'autre côté, je pense. Je vais les ramener. Alors, je vais vérifier, parce que sur le chemin, on va peut-être avoir des ennemis. Faut faire attention. Hop, on relance. Alors, du coup, il y a plein de chômeurs, là. Je comprends pas pourquoi. Ah, c'est peut-être ceux qui minaient de l'or, non? Bah non. Bah, je sais pas, je vais faire des fermes, au pire. Esto, esto, malista, esto, malista. Ah bah j'ai gagné, d'accord, ok. Je continue à construire mes trucs. J'ai dû péter le port, ça y est, du coup. J'ai pas du tout fait gaffe. J'étais en mode automatisme, vas-y, construis tes fermes, on verra après, quoi. Ok, ça marche, nickel. Un bon plan. Ah, le voilà, Ulysse. Un héros d'Atlantide envoyé pour renforcer mon armée. Par ici, Arcanthos. Vous connaissez sans doute le célèbre Ulysse. Je le connais. Votre réputation vous précède. Comme la vôtre. Êtes-vous prêt pour le siège? Vous pourriez nous aider à planifier notre attaque? En tant que commandant, je me suis déjà chargé des plans, Ulysse. Arcanthos et vous mènerez vos armées et commencerez le siège des portes. Excellent début. Et les autres armées? Ajax et moi garderons nos hommes en réserve. Lorsque vous serez passé, Ajax enverra ses hommes contre les défenseurs troyens. Puis, j'entrerai pour libérer Hélène. Alors, voilà, donc ici... Chef, il n'y a pas d'or ici. Nous devrions chercher les mines de Troie et nous en emparer. Donc voilà, ici on a carrément une autre base déjà préétablie. Donc on voit déjà qu'on peut invoquer des unités bien sympathiques, le fameux Minotaur. On en a invoqué deux, tiens. Je vais faire quelques villageois. Et puis du coup on va explorer et apparemment de ce qu'on a compris, c'est qu'il n'y a pas de puits d'or, donc ça nous embête un peu forcément. Et on va devoir aller les récupérer chez les pas les Atlantéens, mais les Troyens. Pardon. Donc ce qui est cool aussi, c'est qu'on a des pouvoirs déjà équipés, donc on a éclair, qui permet de tuer toutes les unités isolées, ou on peut les lancer aussi sur un titan, mais bon, ça, on s'en fout. En tout cas, dans cette campagne-là. Ou du moins au début, parce que peut-être qu'à la fin, on va devoir affronter un titan, mais je suis pas tout à fait sûr, je me rappelle pas exactement de la fin. Et l'autre, ça permet de soigner plein d'unités, donc voilà, c'est cool. Esto. Προσεχέ, ναι. Προσεχέ, βρυτόμος, βρυτόμος. Πρόσταγμα. Et puis, on va explorer. Λέγε, βούλομαι. Donc là, du coup, on a une autre unité, c'est Ulysse, le fameux. Hashtag l'Odyssée d'Homère. Prostagma, MTC. Vous avez fait un dessin animé, d'ailleurs. On en avait déjà parlé, je crois, avec Frédéric. C'était un dessin animé qui m'avait beaucoup plu, ça, à l'époque. Je l'ai jamais revu depuis, mais... Hétimos. Je le trouvais assez sympa à l'époque. Alors du coup, j'ai peut-être laissé quand même quelques unités sur place, parce que c'est ce qui nous attend. Alors toi, par contre, la cavalerie d'éclairage... Kalos. On va pas te laisser t'en aller, enfin, quoique il avance tellement vite, que je sais pas avoir le choix, en fait. Et bon, je vais essayer d'explorer pour récupérer, du coup, les mines d'or. Pour pouvoir m'approvisionner pour la suite. Esto. Alors je regarde quand même les objectifs. Ouais, c'est toujours les mines d'or. Malista. Peut-être d'autres objectifs après, mais... Pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Esto. Donc là, par contre, vu qu'on n'a pas les mêmes pouvoirs qu'avant, on peut pas, par exemple, attirer les animaux sauvages. Ça, ça peut être un bémol, parce que là, ils sont un peu éloignés. Donc si on veut les chasser, il faudra les chercher. Proseche. Thritomos. Alors, du coup... tiens, qu'est-ce qui se passe?
prostagma. Il y a un petit camp ici, il doit y avoir des mines. Voici l'or, tant requis. Ah bah tiens, ouais. Il est déjà bien entamé, hein, sur 6000 d'or, il reste 2500. Je sais pas où ils veulent, ils restent ici. Kalos. Alors ce que je vais faire du coup, c'est que je vais carrément construire sur place. Isvoli. En mode un petit peu squatter. Prostagma. Hop. Et hop. Ne. Voulome. Prostagma. Allez, cassez-moi ça. Ça sera à moi, la mine d'or. En plus, c'était une mine d'or moyenne, donc elle avait peut-être pas 6000 de base. Mais je sais pas du tout c'est quoi les mines d'or par truc. Ah, du coup, j'ai gagné de l'or en pétant la mine d'or trouvée. Enfin, le stock, quoi. Ça, c'est cool. C'est cool. Du coup, bah écoutez, je vais commencer à peut-être faire les améliorations de base quand même, je pense. Tac, tac. Bouclier Aegis. Athéna rend l'infanterie plus résistante aux attaques par armes perçantes. Telles des flèches. Ça peut être sympa. Par contre, il faudrait que je fasse des prières, parce que là, ça va pas monter tout seul, sinon. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon. Entraîner une armée et détruisez la porte ouest de Troie. Ok. Et la porte ouest, c'est celle-ci. Ça marche. Elle m'a l'air massive. Bon, je vais laisser mes unités là pour défendre mes pauvres petits villageois sans défense. Alors là, on voit aussi que j'ai une écurie, du coup, que je vous ai pas encore montré. Donc on peut faire de la cavalerie. Donc c'est des acontistes, ils appellent ça. Ça prend 3 de population. Efficace contre les archers. Et je peux les améliorer aussi en cavalerie moyenne. Donc voilà. Donc ça, pour l'instant, voilà, je vais faire des hoplites. Et après, on verra. Alors ça, c'est une espèce de tour de siège qui est assez spéciale, hein, quand on regarde ça. Ça s'appelle Hélépolis. Donc voilà, c'est une tour qui peut se déplacer comme ça. Et apparemment, elle peut transporter des unités, mais je sais plus combien on peut en mettre, par contre. Prostagma. On va regarder ça. Ah si, ça y est, c'est marqué. 5 de population, ok. Et donc là, vous voyez que la puissance d'attaque est améliorée. C'est passé à 21, c'est en jaune. Et si je dégage tout le monde... Si j'y arrive... Voilà, c'est à 17 doigts. Donc on gagne 4 points d'attaque et en même temps nos unités sont à couvert. Donc ça fait un petit peu penser au bélier qu'on avait dans les jeux Vampire 2. Il y avait un petit peu ce truc là. Bon, c'était pas tout à fait la même chose que de mémoire quand on mettait les unités au niveau des béliers. Ça nous permettait pas d'augmenter la puissance d'attaque, quoi. Ça défendait, enfin ça laissait à l'abri d'autres unités qui sortaient que quand le bélier se faisait péter. Du coup, c'était une stratégie assez sympa, je trouve, de mémoire. Enfin, j'aimais bien m'en servir, en tout cas. Enfin, j'aime toujours m'en servir. Et je parle un petit peu au passé, entre guillemets, par rapport au Wakefu que j'ai fait. Je me suis pas arrêté de jouer à Age of Empires depuis. Ça reste toujours des jeux que j'apprécie beaucoup. Age of Mythology, par contre, c'est un petit peu différent, parce que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup aussi, sinon je vous le ferais pas. Mais c'est un jeu que j'ai pas joué depuis un sacré moment. Ça fait sacrément longtemps que j'ai pas joué. Et vu qu'ils avaient ressorti la version HD, du coup c'était en 2014, je crois, je l'avais acheté à ce moment-là, mais j'avais pas joué, en fait, je l'avais acheté d'avance, quoi. Sans y jouer. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut le voir, hein, pour ceux qui m'ont sur Steam, je vais avoir... Bon, là, ça va augmenter, du coup, le nombre d'heures de jeu, mais... Au début, je crois que j'avais... Je sais pas, je suis resté une demi-heure de jeu pendant très longtemps, quoi. Prostagma. Alors, c'est quoi qui m'attend, quoi? Ah, d'accord, mais ils sortent d'où, hein? Ils viennent comme ça. On va aller s'en occuper. Prostagma. Pani. Kalos. Donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Parce qu'il y a beaucoup d'améliorations encore que je me rappelle plus du tout, du coup. Le sang de Zeus fait que les héros ont plus de points de vie. Ah, c'est pas mal, hein. Dans l'idée. Bah tiens, on va faire ça. Alors je pourrais peut-être faire plus de navires de pêche, vu que j'ai pas mal de bois. Parce que là, la nourriture, c'est un petit peu la galère. Parce que, genre, je pourrais faire des fermes et tout, mais...
Le problème, c'est qu'il dit ferme, il faut des villageois, donc il faut refaire des peuples de villageois. Et j'ai pas de nourriture, donc ça va être long. Je pense qu'en faisant des navires, ça peut être une bonne alternative. Alors par contre, j'aimerais bien utiliser que prendre les unités militaires. Il me semblait que je l'avais débloqué, ce truc-là, mais dans les options, normalement, je vais regarder vite fait. Options joueurs. Sélection, voilà, des unités militaires, c'est... Parfait. Donc ouais, c'est un truc que je disais aussi, mais j'avais pas trop le temps d'amorcer le sujet, je crois, avant. Mais il y a des musiques dynamiques dans le jeu, dans le sens où selon les actions qui se passent, genre si on se fait attaquer, c'est vraiment un gros siège, la musique va changer. Là, quand on attaque un forum ou un bâtiment militaire important, la musique change. Il y a une musique qui s'adapte. Donc ça, c'est assez sympa aussi, puisqu'avant, par le passé, avec les jeux Vampire, c'était juste les playlists de musique qui tournaient. Je vais la péter, cette caravane. Pauvre mulet, il en subit les conséquences. Ah, puis il y en a plus. Prostagma. Ouais, j'ai peut-être pété d'abord le forum parce que là, il m'enlève de la vie en plus. Chaque chose en son temps. J'ai peut-être envoyé les Minotaurs en renfort. Voilà. Ça, du coup, je vais l'améliorer. Ça peut être sympa. Parce qu'il y a beaucoup d'unités qui attaquent avec des flèches. Comment ça se passe? Ah, ok, c'est pareil, ça l'a dit en anglais. Lol. Sympa. Je sais pas si c'est un problème dû à la version HD ou quoi. Ah, ça y est, il a respawn. Donc voilà comment ça fonctionne, les héros. Je me rappelais plus du coup comment ça fonctionnait. En fait, ils finissent par respawn, mais de là où ils étaient morts. En fait. Ça peut être compliqué parce que quand tu fais un siège et que t'es en plein territoire ennemi, quand il respawn, il se refait ken deux secondes après, quoi. C'est pas le cas. Allez, le mulet, tuez-le. Plus nous détruirons de caravanes, moins les Troyens auront d'hommes à entraîner. Lége, vous l'emmenez. On va peut-être le laisser revenir. Ah putain, il y a des militaires partout, mais c'est chaud. Toi, je vais te buter. Faut que je les empêche de miner, en fait. Ça va m'aider. Alors, niveau de population, ça va. J'ai encore de la marge. Peut-être refaire un minoteur, c'est sympatoche. Donc, voilà. Bon, on est à 28 minutes, donc je vais pas tarder à arrêter la vidéo pour aujourd'hui. Alors, on peut faire Jason aussi, tiens. Bah tiens, on va le créer. Ça fera toujours une petite unité mythique en plus. Etemos. Kalos. Hop. Ne. Isvoli. Alors tuez-moi ça. Etemos. Ils sont sacrément résistants, les villageois. C'est celui-là les plus proches. Voilà, c'est bon. Catapulté. Kalos. Alors il reste combien d'or ici? 1000 d'or, bon ça va, il y a encore de la marge. Le petit Jason. C'est nickel. Alors je pourrais peut-être prendre la ville ici, comme ça me permettrait d'augmenter ma population. Je vais créer d'autres villageois pour le temps que ça arrive. Alors ouais, les bateaux de paix, j'avais complètement oublié de les mettre en place, donc forcément ils font pas le taf tout seul. Voilà, est-ce qu'il y a un autre spot pas trop long? On va prendre celui-là, c'est un petit peu loin mais pas trop le choix. Voilà, je pense qu'on est pas mal, on va gagner pas mal de nourriture avec ça. Ça va aller un petit peu plus vite. En tout cas j'espère, parce que là c'est vrai qu'on a pris... On a pris pas mal de retard au niveau de l'acquisition de la nourriture et c'est un peu une galère. Puis vu que j'ai qu'une ferme, forcément ça va être temps. Prostagma. Alors, on a des renforts du coup. Alors c'est pareil, les cavaliers ils sont jarteux aussi. Ah, les saloperies, ils ont utilisé un pouvoir. Un éclair. Fumier. Bon, moi je garde mes éclairs
pour des vrais combats qui en valent la peine, mais... Alors là, je peux pas construire ça, pourquoi c'est en rouge? C'est bizarre, ça. Je dois passer à l'âge suivant, peut-être? La yeah. Bizarre. Bizarre. Bon, bah, c'est pas grave, on va faire un autre puits d'or. Hop, vous retrouvez au taf. Les petits moutons, on va les ramener en base principale. Enfin, mouton, chèvre. J'ai dit mouton par habitude. Si je fais souvent le lapsus, ne m'en voulez pas. Forcément, avec l'habitude des jeux vampires. Donc voilà, ça c'est bon. Est-ce que je fais une muraille pour m'aider? Parce que sinon, ils vont venir m'embêter. Ouais, je vais peut-être utiliser leur muraille à eux pour... Hop. Donc vous voyez comment ça se crée? C'est très très simple, ça se fait en glisser et voilà. Dans n'importe quel sens. Alors, impossible de construire en bout ici. J'ai mis en place le plan, construis-le. Je demande pas ton avis. Alors par contre, je sais plus comment on fait pour créer les portes. Je crois que c'est les portions qui sont suffisamment longues, on peut les choisir et leur dire « Toi, tu prends une porte, quoi. » Il me semble, mais c'est possible que je me trompe. De toute façon, on va le savoir là quand ça sera fait. Alors lui, il me cherche la merde. Ok. On va lui ramener des poteaux. Alors, on voit qu'il y a un Pégase qui m'espionne depuis un petit moment aussi. Mais bon, je le laisse, vu que ça fait pas de dégâts. Ah voilà, c'est ça. Hop, donc vous voyez, en fait, on crée notre petit mur, et quand la portion est assez longue, on peut en choisir d'en faire une porte, tout simplement. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Oui et non, parce que ça a été détruit. On dirait. Ah non, c'est bon, elle est refermée. Mais on peut pas améliorer l'armure. Ouais, ça se peut améliorer les murailles en général, mais on peut pas la fermer. Il me semblait qu'on pouvait les verrouiller. Mais apparemment, non. Bizarre, ça. Je pensais qu'on pouvait faire comme dans les jeux vampires, en fait. Ça m'étonne un peu. À moins que ça serait une amélioration après. C'est vrai que c'est bien pratique, quoi. C'est le but des murailles, quoi. Si elle s'ouvre n'importe quand, bon, contre les ennemis, ils vont peut-être pas s'ouvrir, mais dès que nos alliés s'approchent de la muraille, ça s'ouvre. Donc s'ils profitent de cette ouverture-là pour entrer, c'est toujours ça le petit problème. Donc voilà, là, je pense que sinon, on est bon. Je vais continuer, du coup, de faire des unités, cette fois, des unités de base. Continuer les hôpitaux moyens. Alors ça, et le Pégase, il s'est fait buter, là. Forcément, à force de s'approcher de moi, il finit par se prendre des tirs. Donc voilà, on laisse les unités se faire petit à petit. J'ai juste créé une armurerie pour les améliorer un petit peu. Ça m'aidera sûrement. Comme ça, ils seront tous bien équipés pour attaquer du coup la porte ouest. Parce que je pense que là, la porte ouest, ouais, elle a 2000 HP, mais je pense qu'elle est mastoc. Hein. Parce que là, on est au-dessus de ça, quoi. C'est pas le même genre de muraille, quoi. C'est du neck plus ultra, donc je pense qu'en termes de résistance, puisque la nôtre, c'est 1200, voilà. C'est quand même bien différent. Donc voilà, sinon, on se débrouille pas mal, donc je pense que ça devrait se faire sans trop de soucis. Alors, il y a toujours des Pégases qui se travaillent, j'en ai dégommé un encore tout à l'heure, là, on voit le corps, là, celui qui a disparu, ici. Ça arrête pas, ils arrêtent pas de venir se laisser tuer, limite, quoi. Ils ont déjà exploré la zone, mais ils continuent à chercher la merde pour se faire tuer, limite. Bon, après, chacun ses problèmes, hein. S'ils veulent crever, c'est leur souci. Donc voilà, là, je laisse faire les améliorations, et je pense que du coup, ça va être bon. Et on attaquera d'un coup avec toutes les unités en même temps. Pour être sûr de bien gérer, et en même temps je garde mes pouvoirs, donc du coup éclair, s'il y a une unité mythique qui m'emmerde un peu, je fais un petit coup d'éclair, ça devrait la calmer. Et voilà, si mes unités sont un petit peu dans le mal, qu'elles ont perdu pas mal d'HP, je peux utiliser mon pouvoir pour les soigner. Donc voilà,
Du coup, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, et on se dit à la prochaine, du coup, pour la suite. Allez, à plus !